Voilà donc arrivé en Mésopotamie. Et grâce à mes chauffeurs routiers, je ne ferai qu'un arrêt à Erzurum. Bon bah changement de poids lourd. Mon conducteur m'a trouvé un poids lourd qui m'emmènera directement au lac de Vannes. Donc nickel, trop sympa le chauffeur. Donc j'étais dans le poids lourd blanc tout là-bas. Et maintenant je passe dans le poids lourd rouge qui est là. Et je vais finir ma nuit dedans. Voilà. Hier soir, on s'est arrêté vers 1h30 du matin pour dormir un peu, jusqu'à 8h. Et aujourd'hui, on a repris la route direction Vannes. On doit y être à près 150 km. Et donc Vannes, c'est la dernière ville avant l'Iran, pour moi en tout cas. Voilà à Vannes, enfin arrivé. Enfin, je commence la journée, je suis dans un poids lourd, et là, je suis dans un bateau. Yo, ça va, bien, là, ils ont bien la borne, ça va, lui, là. Et voilà, dans un bateau. Caméra. Caméra. Hein? Allô. Sen Fransa'ya ne zaman uçuyor? No, otostop. Otobüsle mi? No, otostop. Otostopla gidiyorum Fransa'ya. Yes. Yes. Oh, iyi. Sıcak. Gel aşağıya. Aşağıya? Buradan çıkalım aşağıya. Ha, suyun. C'est pas le tout, mais les routards aussi ont besoin de repos. Et pour ça, il me faut un endroit tranquille pour camper.
plutôt que de me donner de la nourriture exceptionnelle dans des lieux banals, donnez-moi de la nourriture banale dans des lieux exceptionnels. Il est temps de reprendre la route pour l'Iran. Mais plutôt que de rejoindre le grand axe qui va à Téhéran, autant prendre les petites routes qui vont à Urumqi. De vouloir passer par des coins perdus, finit par arriver ce qui devait arriver. Bon bah me voilà paumé au milieu de nulle part. Je dois être à 5-6 km de la frontière iranienne. Je viens de me déposer là. Un peu paumé, puis il n'y a personne qui passe, c'est vraiment la mort. J'ai pas choisi la meilleure frontière pour rentrer dans le pays. Mais bon, je pense que je vais marcher jusque la frontière et après bah, on verra une fois arrivé là-bas, j'espère.